Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de me citer deux citations pour cette vidéo. La première, c'est « Personne ne peut arrêter un train qui a déraillé ». Et en politique, tous ces politiciens fermés qui refusent d'écouter des avis extérieurs ne peuvent plus gagner. Ça me semble évident. Deuxième citation. Alors celle-là, elle est bonne, hein, elle correspond à ce qui se passe actuellement en France. Hein. Je cite, « Aujourd'hui, la gauche assure la continuité du service déconstruction de la France, ce sans discontinuer, c'est une question d'idéologie, c'est le Franquistan. » Et mon propos aujourd'hui est de vous parler de ce qui se passe dans ce pays où on a tout laissé filer. Le laxisme, l'indifférence sont les deux mamelles de la Nouvelle-France qui ont permis à des gens qui n'aiment pas le pays, n'aiment pas les Français, sont racistes, antisémites et tout, ne respectent même pas la personne. On a vu à l'Assemblée, ils ne serrent même pas les mains, alors que c'est l'usage de l'Assemblée nationale quand on a voté de serrer la main du questeur. Et là, rien du tout, ils sont vraiment haineux, c'est la haine. Et ils ont berné les Français, associés avec Macron qui en a profité pour sauver la mise. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette alliance contre nature, alors je donne les partis quand même, il faut le savoir, parti communiste, stalinien, écologiste, communiste, LFI, stalinien, communiste, socialiste, stalinien aujourd'hui, puisqu'ils sont alliés avec des staliniens, Macron, et son parti stalinien, ils sont alliés, une partie du LR, les centristes, et l'ineffable Bayrou, là, celui qui vient donner des leçons de morale. Donc, on est dans un système pourri, avec des élus qui ne représentent plus rien du tout de la France qu'ils exècrent, parce que c'est ça qui est anormal. Moi, je m'en fiche, vous pouvez être de gauche, de droite, d'extrême, de ce que vous voulez, antisémite, anti-ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais ce qui est, à mon sens, dramatique, c'est que ce sont des gens qui n'aiment pas leur pays. Et ça, vous savez sur quoi ça débouche, on l'a vu en 39-45, sur le pire du pire. Et avec eux, on va y aller tout droit, parce que n'oubliez pas qu'en 2026, vous allez avoir des municipales. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui auraient un petit doute sur ce que je dis, allez regarder quels sont les candidats élus de LFI en France. Et là, vous allez voir que je n'ai pas tort du tout. Je dirais même que j'ai raison. Et ce problème-là va se poser en 2026 dans les mairies. Et vous savez, la politique, c'est très simple. Il faut commencer par les élus locaux qui ensuite montent au national. Mais ça ne se fait pas dans l'autre sens. Attention à ça. Et les élus locaux tiennent, en fait, le pays. Et c'est pour ça que la France, aujourd'hui, est en pleine libanisation avancée, très avancée même, il ne faut pas se tromper. Je vous donne un autre exemple. Sur les réseaux sociaux, alors, on peut publier ouvertement des annonces de racolage, ou prostitution, si vous préférez. Des escroqueries, il y en a un paquet, hein, sur les Facebook et compagnie, il y en a un paquet d'annonces d'escrocs. Hein. Et puis, elles sont là en permanence. Il faut savoir qu'ils payent pour être sur Facebook, entre autres, ou sur d'autres réseaux sociaux, ils payent pour mettre des annonces pour voler les gens. C'est incroyable. Je vais aller plus loin pour que vous compreniez ce propos. Ensuite, vous pouvez être antisémite ouvertement, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous pouvez raconter n'importe quoi, fake news, ce que vous voulez, faire des montages, tout passe. Et par contre, j'ai voulu dire qui est Mélenchon et j'ai été censuré. Voilà mon propos, c'est qu'on censure la vérité et on laisse passer tout le reste. Et ça gêne personne, c'est dans l'indifférence et la plus totale. Hein, tout le monde s'en fout, il y a une censure qui est quand même totale, hein, même sur X, là, où soi-disant Elon Musk était le gars qui allait libérer le truc, c'est pas vrai. Je vais vous raconter une autre anecdote. Alors, j'ai été censuré sur X parce que, tenez-vous bien, j'enlevais des gens qui ne me suivaient plus. Mais j'en enlevais plein d'un coup, une quarantaine ou une cinquantaine, POM, j'ai été bloqué. Alors,
faut arrêter de déconner, hein, faut arrêter ça, parce que tous les autres, ils ont le droit de citer, et nous, rien. Nous, on est, c'est ferme ta gueule, quoi, hein, qu'on nous lit. Hein. On s'en fout. Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui a... Ça prouve bien que nous sommes dans un pays communiste. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup d'amis qui viennent de ces pays communistes, notamment de l'URSS, devenue la Russie, me disent « On est venu en France pour votre liberté et on se retrouve dans un pays communiste. » C'est quand même étonnant. Alors, évidemment, ici, il n'y a plus un rond. Regardez les routes et tout ça, c'est la gabegie la plus totale. Par contre, pour faire des fêtes, il y a un pognon de dingue. Pour inviter des gens ici, un peu partout, il y a un pognon de dingue. Et c'est de la folie. Les gens, ils reçoivent des aides de ceci, des aides de cela, surtout s'ils ne sont pas français. Je vous rassure, pour les Français, c'est... Il n'y a rien. Hein. Et là, franchement, je rappelle encore une fois pour la retraite, j'ai déjà fait plusieurs choses là-dessus, que la retraite n'est pas un avantage qu'on nous donne, c'est un acquis de toute une vie de travail. Donc, c'était normal que la retraite soit indexée sur le coût de la vie, et non pas autrement. Or, ils cherchent de l'enlever de ce coût de la vie, de l'indexation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on nous a déjà baissé les retraites sous Macron 3 fois, mais personne ne l'a vu visiblement. On doit être les seuls à quelques-uns à s'être rendu compte de ça sur notre compte en banque. Donc les gens, ils s'en foutent royalement. C'est hallucinant, quoi. Hein, ils vont devenir islamisés. Ils s'en foutent, on leur pique le pognon, ils s'en foutent, ils pourront bientôt plus sortir tranquillement dans les rues parce que l'insécurité reconnue aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur français, un certain Darmanin, qui a dit que ça a explosé, l'insécurité dans les rues, il le reconnaît, il s'en fout maintenant, de toute façon il sait qu'il ne sera plus au gouvernement, donc il peut dire des choses. C'est très grave. Alors, quant à la lâcheté des gens, ça, on sait ce que c'est, mais on ne peut rien faire. Leur manque de courage, évident. Cela prouve aujourd'hui que n'importe quel Hitler peut venir prendre le pouvoir, notamment ici en France ou ailleurs. Et les Français ne s'en rendent pas compte. Ceux qui vivent chez nous, qui ne sont pas Français, ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils seront touchés pareil. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes ceci ou cela, vous ne serez pas touchés. Tout le monde sera touché. Il faut bien comprendre la situation. C'est pour tout le monde. Hein, on ne va pas faire des cases. Tout le monde. Voilà, tous ceux qui sont là. On ne va pas faire de détails. Alors, on a eu un avant-goût de ce qu'était LFI qui voulait faire nommer président d'Assemblée. Tenez-vous bien, un vieux coco de la vieille, comme on dit là, un vieux coco stalinien et tout, pro-iranien le gars en plus, c'est incroyable. Il est président ou membre de l'association, je ne me rappelle plus, des amis des Moudjahidines du peuple là-bas en Iran, mais c'est hallucinant quoi. C'est pour ça que des gens ont voté. Bon, s'ils veulent être islamisés, ben, ils n'ont qu'à aller dans les mosquées et puis se convertir, ça va aller plus vite, comme ça on va gagner du temps. Qu'est-ce qu'on s'ennuie là avec tous ces gens-là? C'est pas la peine. Hein. Et quant à Macron qui a ruiné la France, hein, c'était le Mozart des finances, il a ruiné la France avec le maire qui a fait n'importe quoi, et il dira que c'était pas de sa faute, lui c'est jamais de sa faute, il dira que c'est sur ordre. Darmanin, qui est très occupé à enlever des mouvements qui ont dérangé personne, hein, mais qui ont osé manifester avec des drapeaux français, ça c'est affreux, ça, c'est intolérable. Comment vous manifestez avec un drapeau français? Mais c'est quoi ça? Là, il les a dissous, comme on dit. Par contre, tous les autres mouvements des extrémistes sont là. On a même des députés aujourd'hui, grâce à LFI, qui sont élus et fichés S. Hein. On a des députés qui sont sous le coup de procédures pour racisme, il faut le savoir. On a des trucs incroyables, pour banqueroute ou pour faillite, etc. Ils sont élus par LFI, chez LFI et tout. Bon, là, heureusement, on dirait que les gens n'aiment pas trop, entre eux, hein, n'aiment pas trop Mélenchon, ce qui fait que le gars, il risque peut-être pas d'être Premier ministre, on ne sait pas, parce qu'avec Macron, on ne sait pas, il s'en fout, il a dit de toute façon, on remet ça après les Jeux Olympiques. C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est les Jeux du cirque. On est autant de Néron et après de Vespasien qui a créé le Colisée, et tout le monde s'en fout, et c'est royal, hein, comme aurait dit Ségolène, et on est dans un système incroyablement
tarés, quoi. Il y a pas, je cherche des mots, mais je ne les trouve pas. Et on est en pleine faillite. Et le pays entier, la société s'écroule. Tout le monde s'en fout. On continue dans le laxisme. On continue dans l'indifférence. Les deux mamelles de la France, laxisme, indifférence, et il n'y aura plus de France. Voilà. Alors je vais conclure comme d'habitude. On est mal, on est même très mal. Et je peux vous dire que ce n'est pas prêt de s'arranger. Alors maintenant, il paraît qu'il peut y avoir des miracles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. On peut les espérer. Je ne sais pas s'il va y avoir quelqu'un là qui va nous tomber du ciel et qui va arriver. Je vais juste donner un petit conseil à ce qu'on appelle l'opposition, c'est-à-dire il nous en reste que deux. Hein. C'est Rassemblement National de Marine Le Pen et Reconquête. Il vous reste 2 ans. Pour préparer les municipales et sauver les meubles. Mais attention, avec votre système qui consiste à arriver juste la veille des élections pour faire quelque chose, ça c'est mort. Parce que les autres, ils occupent le terrain. Je vais vous donner un exemple. Chaque fois que je vais dans un marché ici, où j'habite, il y a le candidat sortant, maire socialiste, qui est sur le marché, qui serre les mains et qui parle aux gens et qui fait sa propagande. Et j'ai jamais vu, hors élections, des gens de vos partis. Et on ne les connaît pas, ce qui fait qu'ils n'ont aucune chance d'être élus. Alors je le dis ouvertement, pensez-y, hein, il faut travailler maintenant pour demain. Si vous ne faites pas ça, c'est foutu. Et vous verrez que j'ai raison, parce que de toute façon, c'est simple, hein, tout est prévisible dans ce système. Donc je vous le redis, faites cela, travaillez tout de suite. Hein. Il ne faut pas prendre des candidats au mois de mars pour le mois de mai, admettons qu'on vote au mois de mai, je ne sais pas encore les dates, ou avril, peu importe, donc il ne faut pas choisir vos candidats un mois ou 2 mois avant, il faut les choisir maintenant, là, à la rentrée septembre, il faut les annoncer et qu'on les connaisse. Parce que leur seule chance d'être élus, c'est qu'ils soient connus. Hein. Les inconnus, c'était drôle en spectacle, mais en politique, ça ne fonctionne plus. Ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, c'est la seule chance qui reste. Si vous ne la saisissez pas, celle-là, vous pouvez dire que vous allez encore perdre et la France avec. Allez, merci à tous. Bon, ceux qui veulent partager, ça fait toujours plaisir. S'inscrire, c'est gratuit. Ça nous permet de monter et d'espérer un jour passer un certain nombre d'adhérents qui nous ouvrent des portes de monétisation qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que là aussi, il y a un ostracisme complet. Hein. Si vous êtes petit, vous êtes amené à crever parce que vous êtes petit. Et j'espère que vous comprenez tout ça et que vous allez faire l'effort, parce que si on ne fait rien, il ne se passera jamais rien. Partagez cette vidéo, envoyez cette vidéo à un maximum de gens, invitez les gens à s'inscrire sur notre chaîne et allez sur le site, bien entendu, Observatoire du mensonge. C'est la seule solution, c'est qu'on grandisse tous ensemble pour s'opposer à cette bande de tarés qui sont en train de détruire la France. Allez, à bientôt, au revoir.